Alors là voilà donc pour la seconde partie de cette démonstration, selon laquelle Heroes of the Storm donc est d'une qualité supérieure à League of Legends, comme le steak haché façon bouchère de Maximo est supérieur au steak haché classique 15% de matière grasse de la viande bovine française emballée individuellement dans des sachets de 100 grammes de la marque Charal. Voilà. Je vais lancer en mode de... ouais, mode de normal, donc je pourrais me casser les pieds. Voilà, donc déjà je lance une game là. Oh putain, j'ai trop une d'alipsé. Oh putain, j'ai trop une d'alipsé. Oh, j'ai trop mal au testicule, mais je peux pas y aller parce que je dois valider la game. Oh, je vais devoir me faire opérer. Enfin bref, je vais arrêter. Mais c'est déjà un premier point négatif. En plus c'est long. Bon, sur Heroes des fois aussi c'est long. En fait ça dépend. Si vous jouez avec des gens de votre niveau, c'est très rapide, mais genre un niveau 40 qui a joué avec un niveau 1, ça met du temps à trouver un petit peu des fois. Et voilà, je dois accepter la game, je dois espérer que tout le monde m'accepte aussi, hein, sinon ça repart en recherche. Attention, il faut être rapide. Faut être rapide si on peut pas jouer ce qu'on veut. Oh, ah, je suis pas assez rapide, dommage, dommage, je voulais jouer top. Bah je peux pas. Ah c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Pour les gens de mon âge, c'est pas évident de d'écrire aussi vite, quoi. Pour ça, je préfère Heroes of the Storm. Je peux choisir mon personnage. Bon. Du coup, là, je vais prendre ce qui reste. Donc, ADC, bien, mid. Bon, je m'en bats les steaks, hein. Soit je farm au mid, soit je farm en bot. Alors, où est-ce que je vais décider de farmer? Alors, je vais farmer... Putain, j'ai. Ouais, j'ai une blague là sur Pierre Ménès, hein, je me rappelle plus. Ah, bah, je dois jouer à DC. Ah, déjà, on n'a pas de tank. Parce que bon, Lee Sin, c'est pas vraiment un tank. Donc, c'est bien. Je vais peut-être jouer. Je sais pas. De toute façon, tous les ADC se ressemblent. Ça se joue tous au clic droit, donc c'est chiant. C'est juste le skin qui change, quoi. Voilà. Bon allez, on va prendre ça. On s'en bat les steaks. Hop là, parce qu'on a acheté il y a pas longtemps, faut le rentabiliser. Yeah. Voilà. Petit ADC. Alors, est-ce qu'il y a des skins que... Ah, ah non, un skin, il est payant. Je peux pas acheter de skin avec des pièces d'or, hein, ce jeu. Oui, avec des pays. Non, je peux pas. J'aurais bien aimé, mais je peux pas. Ouais, c'est dommage. Allez, le saviez-vous, le corbeau de Swain s'appelle Béatrice. Super. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas ça dans Heroes of the Storm, c'est vrai. Ça fait un point pour League of Legends, c'est vrai. Alors, les pre-mades ne sont pas affichés. Dans Heroes of the Storm, c'est affiché pendant les temps de chargement. Donc, c'est plutôt bien. Ça donne des infos stratégiques. Bizcrank et Twitch. Voilà, donc si Bizcrank réussit un grab, on perd la botlane. J'ai pas fait gaffe, je crois que je suis avec Lux. J'ai pas vu. Putain, Jayce, il met 20 ans à charger. Ah oui, un truc qui est encore un avantage pour Heroes of the Storm, c'est dans LoL, si un AFK, bah tu l'as dans le cul. Mais sur Heroes of the Storm, si un AFK, il est remplacé par un bot au bout de 2-3 minutes d'absence. Voilà. Le bot, il est pas fou, mais bon, au moins, il t'aide un peu, quoi. Et on a déjà gagné des games avec des bots, hein, sur Heroes of the Storm. C'est quand même pas de la merde. Ah, il faut que j'achète mes objets, bah oui. Attention. Pas partir au combat tout de suite. Faut d'abord du stuff. Ok. Alors, j'ai 4 sorts. Non, j'en ai que 3. Je n'ai que 1 pour l'instant. J'ai un seul sortilège pour l'instant. Voilà.
J'ai un gameplay limité pour l'instant, voilà, c'est comme ça, pourquoi pas. Par contre, ils vont peut-être faire une invade, ils ont une biscrank et tout, hein. J'ai pas trop envie de m'approcher de ce buisson là. Allez, best Madara. Bon, par contre, gros avantage, on peut faire contrôle 3 pour danser dans Heroes, je crois pas que ça marche. À vérifier cependant. À vérifier cependant. Voilà. Je rajouterai une annotation sur la vidéo pour confirmer si oui ou non c'est possible dans Heroes of the Storm de faire contrôle 3 pour danser. Allez, Monkey Face. Ça fait combien de temps que la... Ah, ça fait 1 minute 30. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qui s'est passé dans Heroes of the Storm au bout d'une minute 30? Bah, il y avait déjà du fight. C'était chiant. Rappelez-vous comme c'était chiant. Oh. Je vais déjà être en situation de désavantage, oui, parce que je vais louper des creeps. Ah non, même pas. Je peux même pas m'approcher parce que là, le biscran qui fait un grab, c'est fini quoi. On a perdu la game. Voilà, donc pour l'instant. Ça aussi, c'est une différence majeure, c'est que quand sur Heroes il y a un ennemi, bah tu peux avancer vers lui quoi pour essayer de le fight. Quand sur LoL il y a un ennemi, il faut reculer. C'est chiant. Droit, là. Après Last Hit, bon, objectivement, on va pas me faire croire que c'est amusant de Last Hit quand même. Par contre, Lux, est-ce que tu... Il y a des sbires, donc tu peux t'approcher pour faire des dégâts. Ah, plus maintenant! Heureusement qu'il est mauvais, putain. Incroyable, ça. Bon, vu qu'on a perdu celle sur Heroes, en principe, il faudrait qu'on perde celle-là aussi. Donc ça équilibre un peu... Le bordel. Alors j'ai 20 creeps, il a 17 creeps. Bah je suis en train de gagner la game. Mais on s'est même pas tapé dessus et je suis en train de prendre l'avantage déjà. Y a pas encore eu d'action. Il shoot dessus. Putain je rate trop là. Il va reprendre l'avantage. Je suis en train de perdre la game. Par contre, en vrai, Lux, ça met pas beaucoup de pression quand même. Elle est débile, on est d'accord. Elle est complètement débile la Lux. Voilà. Nickel. Au moins il s'est passé quelque chose. Là normalement à 4 buts de jeu il serait toujours rien passé dans une partie classique. Bon il s'est passé de la merde par contre mais bon. Bon il s'est passé quelque chose. Bon mais du coup c'est bien. Putain, qu'est-ce qu'elle est nulle quoi, sérieusement, comment elle a fait pour mourir? Pourquoi elle va au corps à corps avec Lux? C'est... Non. Bon, j'ai 24 creeps, il a 29, il a un kill. Il y a aucune communication entre les lanes, il y a un espace qui est beaucoup trop grand entre les lanes pour qu'on puisse...
qu'on puisse, je sais pas, faire quelque chose quoi. Il y a que le jungler qui peut se permettre de, voilà, de naviguer comme ça. Putain, je rate trop de creep quoi. C'est affreux quand même de perdre une game parce qu'on a du farm quoi. C'est frustrant. C'est pas fun de farmer. Oh putain, et voilà, je perds encore. Je nous enfonce dans la défaite là. Bon, on est à 6 minutes de jeu, il n'y a toujours eu aucun objectif. Toujours aucun teamfight. Sans merde. On va toujours pas bouger de la lane. Pour l'instant, on a exploré à peu près. Je sais pas, ça doit être 10% de la carte. Voilà. En 6 minutes. Alors, il y a 36, il a 44. Ouais. Super. La Lux elle est presque full mana, elle pourrait pas lancer un E pour je sais pas essayer de faire des dégâts, faire des trucs quoi. Voilà, là il se passe un truc, super. On a fait un kill. C'était extrêmement nul ici, c'est bien. Ah là, il faut que je back. Ouais. Il faut souvent back dans le jeu, c'est bien. C'est des gros temps morts. Voilà, c'est des temps où il se passe rien. On est dans le magasin. Alors, 8 minutes 50, hop, je clique sur ma lane. On va voir combien de temps je mets pour y arriver. Sachant que j'ai des bots niveau 1. 10 secondes. Là, j'ai les mains derrière la tête et je me fais chier. Voilà, hein, je vous dis, la posture de la chiantise. 20 secondes. Sept, 8, 9. Voilà, on est à peu près à 30 secondes pour revenir sur la lane. Alors est-ce que c'est normal? Peut-être pas quand même. Et est-ce que ça c'était du sniper? Bah quand même je pense que oui. Et il est serein Lee Sin, hein, si je ratais mes skillshots, Blitzcrank qui s'en sortait quoi. Mais même ce genre de fight quoi, c'est pas marrant, c'est des catch en fait. C'est il y a un mauvais placement, bim, c'est sanctionné, c'est même pas un fight équilibré. Il aurait du skill à avoir quoi. C'est juste il est au mauvais endroit au mauvais moment, bim, il est puni quoi. C'est pas des duels. Pas des duels intéressants ça, ce qu'on vient de faire. Après des catch, il y en a sur Heroes aussi. Hein, mais... faut bien qu'il y en ait, c'est normal. Putain, et voilà, je suis...
J'avais pas fait attention, mais j'ai le bleu. Alors, je suis à 1-0-2. Ici, une 3-1. 1-3-3. Bon. C'est plus ou moins équilibré. 11 minutes de jeu. J'ai toujours pas quitté la botlane. J'ai toujours pas croisé d'autres joueurs à part Biscrank et Twitch, quoi. On est quand même 10 dans cette partie, je le rappelle. Ta-da-ta-ta, là, il se passe rien. Pour moi, il y a contrôle 3, quoi. Pour danser un petit peu, ça c'est bien. Non, je fais que recharger, là, c'est nul. Ah merde, des fiddles. Ah merde, il y a un combat, vite, 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 sous la tour. Ouf, ouf, il a fallu avoir de l'action. Voilà. C'était pas le pi... Voilà, c'était encore un catch. C'est palpitant. Ça a pas de belles actions, quoi. Après, il y en a des belles actions dans LoL, mais bon, par rapport au temps de jeu total de la game, quoi, il n'y a pas assez. Et là, y a pas de stratégie en fait. Ça fait 12 minutes que je suis en jeu et à aucun moment je me suis demandé ce que je devais faire quoi. C'est tracé quoi. Je dois rester en bot lane et farmer. Voilà. Et à époque, voilà. Alors que dans Heroes, bon, tout à l'heure j'étais sur ma lane un peu, mais j'aurais dû me demander ce que je devais faire, j'aurais dû rejoindre ma team, j'aurais dû faire des enfin, je sais pas, j'aurais dû faire des trucs quoi. J'aurais dû réfléchir en jouant. Là, j'ai pas à réfléchir. Mais alors pas du tout quoi. La partie stratégique dans LoL, elle apparaît qu'en deuxième partie de game en fait, quand il y a les teamfights, quand on quitte les lanes. Et les premières 20 minutes, voilà, on reste sur la lane et puis on farm comme des cons. Voilà. Bon. Là, il s'est mis en invis. Le Biscrank est toujours là donc. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des Sintes. Oh là. Allez, faut que je back. Je shoot ma vie, mais je suis quand même obligé de subir ce temps mort. Parce que sinon, j'ai pas de stuff et je progresse pas. Alors, on va prendre une grosse épée. On va prendre des bottes pour aller plus vite. Enfin, moins lentement plutôt. Et puis, je sais pas, hein, prendre quoi? Premier item. Prendre la lame d'infini. Allez, c'est reparti. Bon, cette fois, je vais peut-être mettre 20 ou 25 secondes pour arriver à la lane. J'ai des bottes niveau 2. T'as pour l'instant, on a 14 minutes de jeu, quoi. Il s'est rien passé, hein. On peut pas dire qu'il s'est passé des trucs quoi. Alors, voilà, puis là ça joue sous tourelle. Ça fait un quart d'heure qu'il joue sous tourelle. On peut pas faire ça dans Heroes, hein, jouer sous tourelle. C'est non, il y a un moment il faut venir se mouiller quoi. Il faut interagir entre joueurs, s'il vous plaît. Allez.
Ok. Ah merde. Je sais pas ce que j'aurais dû faire. Le problème, c'est que Lux, elle a tout claqué sur Blitz, alors que moi je me suis retourné sur Twitch au début. Donc... Petit Twitch. Alors, best coco, best coco, best Madara. La queue de détente et la plume avec laquelle je compose. 17 minutes de jeu. La game sur Heroes, elle était finie. C'est rien passé quoi. La phase de teamfight a pas démarré encore. Je sais pas, il y a un problème de rythme dans ce jeu quand même. Et là, je rejoins un fight. Mais je peux pas parce que je suis trop lent. Voilà, sur Hero, j'aurais pu claquer une monture pour tout de suite être dans le fight, dans l'action. Histoire d'en profiter un peu pour une fois qu'il y en a. Mais non. Voilà. J'ai vu le design ulti pour m'amuser un peu quand même. Ça va. Des fois, on s'amuse. Ah merde. Ah, il va mourir, hein, c'est sûr. Oh non, même pas. Il est nul Z ou quoi? Ah, il meurt 8 fois. Quoi. Alors, faut que je retourne en bot, moi. C'est pas ma place ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis décalé. Et automatiquement, un positionnement qui est pas conforme, hop, c'est sanctionné. Super. Ouais, je vais attendre 15 pièces d'or. Voilà. Encore un truc qui casse le rythme. Allez, bouge ton cul. Enfin, c'est mou quoi. Qu'est-ce que c'est mou? Plus vite. Il devrait y avoir des petits mini-jeux insérés tu vois, pendant les temps de course comme ça, là, genre des petits quiz et tout sur Pokémon. Pour te distraire, pour que tu t'amuses des fois. Ah là, il y a un fight. Non, il y a eu un fight. Et je l'ai loupé, non. Je sais pas quand le prochain aura lieu, putain, fais chier. Les objectifs, c'est même pas des lieux de dispute. Hein. On attend que ce soit bien safe pour les faire. Par contre là je gère hein, cette game. Autant celle d'avant j'ai pu à la merde. Autant celle-là ça va, ça passe. Bon. Ça c'est bien ça le sprint pour casser un peu le...
Ça c'est bien, ça c'est un ajout intéressant. Il en faudrait plus, comme ça. Il y aura beaucoup plus. Oh merde, je vais me faire sanctionner, mais tellement. Putain, luxe, grosse pute. Elle a direct flash out alors que. Enfin, on a bien vu que c'est moi que Jace allait focus, quoi. Elle pouvait rester, elle était safe. Elle gère un peu une cage, un bouclier pour m'aider. Elle sourit. Là. Grosse merde inutile. Là. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a chié, quoi. Besco Goku de merde. Ça. J'attaque pas beaucoup, ça va renforcer mes attaques mono cible. Allez, ça push, ça push, ça push. Sont pas très bons en face quand même. Encore raté. Putain, 23 minutes la game quoi, 23 minutes et on n'a pas eu un teamfight encore. Bon si là, là il y en a eu un petit on va dire, mais ça a duré 2 secondes quoi. C'est frustrant 2 secondes. Oh merde. Ça va, le luxe elle m'a aidé. Pas très bon le Twitch. Je vais vendre une petite épée pour pouvoir acheter un item. Je crois. Allez. Chacun push dans son coin. Faudra que je sais pas. Peut-être que je compte le temps que je passais à courir entre le magasin et puis le lieu du fight. J'ai tiré qu'une seule balle et il y a quand même 60 secondes de recharge. Oh la débilité du personnage. Il est fini ou quoi? Ouais, il est 9 kills. Quoi. Il est mort 10 fois, mais il a 9 kills. Voilà. C'est inintéressant. Une soif de sang pour avoir un peu de bouclier. Cette leader m'est insupportable.
On est 3 au mid. Est-ce qu'on va faire quelque chose qui va ressembler à une teamfight? Non. J'espère pas. Attention. Alors. Putain, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. Putain. Heureusement qu'il y a des personnages comme Z dans ce jeu. Ouais, je sais pas. Parce que je vois toutes les games comme ça. Bah, je sais pas. Je vais arrêter de. Je sais pas, je vais rester 2 km en arrière. Je vais jouer qu'avec mon outil, peut-être. 3 fois mort, 3 fois sur un R, je crois. Non, 2 fois. 2 fois, il me one shot avec son outil. Quoi. C'est injouable. Alors, ouais, je vais faire le rouge. Oh. Ouais, du coup, ils engagent maintenant, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien vu. Je sais pas, le bonhomme, il me dit de va faire le rouge et puis. Putain, dommage, j'aurais presque fait un triplé quoi. Non mais je vais faire ça, moi, je joue avec mon outil. Bon, encore un bac. On va acheter une BF. Je vais vendre ça. Hop. Voilà, comme ça j'ai acheté. C'est quoi sur le 200? Allez là. Encore un catch. Allez, désolé Z, désolé. Mais tu restes outé s'il te plaît, t'es gentil. Lag. Enculé de mort. Ah bah nickel ça.
Eh ben calme-toi garçon, je prends la tourelle. Voilà. Ah oh, génial, il va venir me flinguer là, c'est ça? Super. Ouais, laisse tomber. J'allais me foutre de la gueule du Z là, mais bon, ce qui joue comme une merde. Alors. Votre équipe a détruit une tourelle. Qu'est-ce que je fais comme stuff? Est-ce que je fais des trucs un peu. Un petit peu des résistances quoi. Alors, octroie encore plus de réduction des délais de récupération en fonction des chances de coups critiques offertes par d'autres ressources. On va partir sur ça pour l'instant. Délai de récup. Il fait beaucoup de dégâts avec ses sorts perso. Enfin, avec son rat. Allez, je suis mort. Mais il joue comme une merde, sérieux quoi. Vous avez tué un ennemi. Un allié a été tué. Tu mappings pourquoi là? Tu veux qu'on aille faire le drink ou pas là? Mais. Tu fous de ma gueule quoi? Bah, à chaque fois qu'il me dit d'aller faire le rouge, derrière il fait une autre action, mais il est complètement idiot quoi. Et là il vient de claquer son flash. Ce type était un génie, putain. Il a. Ah, ça va, il a tué le dragon au moins. Non? Ouf, coup de cul. Allez. Bon, on est ward le baron. C'est triste, le baron, c'est le seul objectif un peu fun de la carte. Mais il y a tellement de conditions pour pouvoir le faire, quoi, cet objectif. Bah oh, putain, voilà encore le one shot, c'est ridicule. Ça snowball trop dans le jeu, c'est infect. Lux, I am a girl. Ah, bah c'est pour ça qu'elle joue mal.
Bon, il y a deux morts en face, j'aurais bien aimé prendre l'inhib. Putain! Oh là là! T'as pas le temps de profiter des fights, ils durent 2 secondes quoi! Et tu one shot ou tu te fais one shot? C'est pas intéressant quoi. Non! Merci à KO de confirmer! C'est quand même bien aimable que quelqu'un approuve un peu ce que je dis quoi! Bon, on a 37 minutes de jeu. Il y a eu quelques escarmouches, c'est vrai. C'est bien Jace, c'est pas mal ce que tu fais. Faut continuer dans ce sens-là. Il a 17 kills, il est bientôt full stuff quoi. Il faut que je fasse quoi pour le. Faut que je fasse une Banshee. Ou un QSS, c'est ça. D'ici tous les sortilèges, j'ai augmenté une. Ouais, c'est ça. Pour annuler son ulti. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Bon, qu'est-ce que c'est? Voilà. On va prendre une petite perle bleue. Pour warder. Voilà. Alors, tac. Bon, bah après cet item, je serai full stuff. Go together. Oh, au bout de 40 minutes de jeu. Go together. Mais que va-t-il se passer? On en a mort dans la team. Boum! Je le viole tellement lui. C'est insane.
Allez, combien de temps on va mettre pour aller au dragon? 3500 ans? Putain. Et heureusement, j'ai un item qui me booste la vitesse de déplacement, hein, parce que sinon, je suis encore plus lent. Tiens, je fais 1000 de dégâts avec un coup critique, quoi, c'est l'équivalent d'un smite. Plutôt fort. Allez, ça serait bien de se regrouper, de faire un truc. Putain, je peux rien acheter. Triste. Oh là là. Là, si je meurs, la game est finie, quoi. Foiré, si le petit j'en ai touché qu'un sur quatre. Putain, ce temps de recharge, mais. Oh, c'est infâme, quoi. Bon, ben voilà. Une game sans embûche, sans surprise surtout. C'est le pire, quoi. Au pied, tellement je fais chier, j'ai une crampe au pied. J'amuse plus dans la défaite sur Heroes que dans la victoire dans LoL. Parce qu'encore, ça va, c'est une victoire, c'est une belle game, ça. Ou parce que d'habitude, ils sont pas comme ça. Hein. Avez été déconnecté de sa salle de discussion. Connexion à la messagerie. D'accord, le jeu bugué. On va regarder les dégâts pour rigoler quand même. Ah oui, Brand, il a autant que moi en fait. Même plus. Après, il a deux fois plus de morts. Bon, bah voilà. Game classique de LoL. Enfin, je sais pas. Le rythme est vraiment pas du tout le même. C'est de la merde. Ça pue la merde, c'était chiant, c'était naze. Et c'était une belle game. C'était l'archétype de game parmi les moins chiantes, quoi. Bon, parce que dans la défaite, voilà, parce que bon, eux, ils se sont fait détruire. Ils ont perdu 45 minutes de leur vie, quoi. À se faire éclater, quoi. Y a que Z qui s'amusait un peu en face parce qu'il arrivait à faire des kills, quoi. Mais tous les autres, ils se faisaient exploser. Enfin. Donc voilà, maintenant vous avez le choix entre un bon jeu et un mauvais jeu, donc libre à vous. Libre à vous d'être des tapettes ou pas. Moi, la démonstration est terminée. Donc je vous dis à plus tard. Et faites des dons. Faites des dons. Vous faites 50 euros de dons si vous préférez Rose. Vous faites 49 euros de dons
Et vous allez à Maximo à ma place. Si vous préférez LOL.